Nous voici à Prague pour ce déplacement des Français de l'étranger. Prague est une ville symbole, c'est une des plus belles villes d'Europe, mais c'est aussi une ville de la liberté. En 1968, ils se sont soulevés contre le communisme avec le sacrifice de Jan Palach. Nous rencontrons aujourd'hui la communauté française de la 7e circonscription qui va de Berlin à Belgrade. Nous avons conclu cette journée à Prague par une visite au Parlement tchèque. Nous avons été reçus par le président du SPD, député Tomio Okamura, et son adjoint Radim Fiala. Nous avons cette préoccupation commune qui est très forte, qui nous pousse à regarder avec beaucoup de sympathie ce que font tous les peuples européens et les partis politiques amis qui, eux, ont le respect de l'identité et de l'indépendance et de la liberté de leur peuple. Thank you for Merci your... beaucoup. Ensemble, à travers le groupe Le Mouvement pour une Europe des Nations et des Libertés, et bien ces sujets de souveraineté, de défense de nos identités sont des sujets très importants que nous partageons maintenant non plus seulement en France, mais aussi dans une très grande partie de l'Europe. It is very good opportunity for us to be member of the same group with the Front National because we are still exchange opinions with you, experiences with you. I wish you all the best, of course, all the best for the Marine, for the president election. Thank you. Aujourd'hui, c'est toute une Europe des nations et des libertés qui se met en place, que ce soit à Paris, à Bruxelles ou encore ici à Prague.